Bonjour. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de GPS, j'ai fait une petite vidéo pour régler votre problème très rapidement. D'accord? Première chose, vous avez un problème de GPS, il faut regarder si tout fonctionne. D'accord? Vous téléchargez GPS statut, par exemple. Hein, vous avez plein de. Voilà. Et là, ici, arrivé à ce niveau-là, il va se mettre à chercher. Et il cherche, il cherche, il cherche. Il va rien trouver en fait, ça va être le foutoir. Et sans passer par le Wi-Fi ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Vous enlevez tout ce qui est Wi-Fi. Les positions, vous allez dans, par exemple ici, le mode GPS réseau, vous mettez GPS uniquement, d'accord? Vous revenez. Et là, il va chercher que le GPS, rien d'autre, d'accord? Pas de Wi-Fi, maintenant change. Là, il va chercher. C'est un LG H860. Bon, à ce niveau-là, vous ne trouverez rien. Vous allez voir au niveau plus. On va dire. On va aller voir plus loin le menu caché de LG. Alors, le menu caché de LG, c'est ceci. C'est un petit dial à la rentrée. Le 860, c'est votre modèle. Ça peut être un 830, 840, j'en sais rien, hein, 320. Ça, c'est 860, c'est votre modèle. Ça, c'est le code à rentrer. Voilà. Vous ouvrez le dial. D'accord. Et là, en fait, il y a 54, 63, 68, dièse. Hein. Mon modèle, c'est le 860. Donc, je prends 800. 60, comme je l'ai dit avant, et ça peut être un 830, et vous faites dièse, bing, le menu vient. Et là, vous allez, si vous avez le temps, vous cherchez ce qui vous intéresse, mais là, vous allez dans Field Test. Là, vous avez tous les tests à faire sur votre portable. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le GPS. Voilà. Là, quand vous arrivez ici, vous faites GPS post-test. Voilà. Et vous faites démarrer. Ici, démarrer. Et là, normalement, ici, il va vous trouver des. Si votre GPS fonctionne, si il n'a pas été ouvert, hein, il faut pas qu'il soit ouvert. Il ne doit pas être ouvert. Hein. Le téléphone ne doit pas être. Il doit trouver quelque chose. Voilà. Il va chercher, il va chercher. Vous baladez dans votre appart, dehors, dans votre jardin. Il va chercher. S'il ne trouve absolument rien, c'est qu'il ne fonctionne pas. C'est pas un problème matériel, d'accord? Peut-être. Essayez toutes les méthodes. Si vous voyez que ça ne marche pas, vous arrêtez, ça ne sert à rien. Le truc le plus simple que moi j'ai trouvé, d'accord, hein, mais vous avez d'autres tests à essayer. Hein. Vous avez aussi ce test-là. Voilà, c'est celui-là. Oui. Il se passe rien. Test screen. Bon, il va jamais vous trouver un. D'accord? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment résoudre son problème de GPS. Alors, vous démontez votre portable. Hein. Enlevez la coque. Je sais pas quoi. Il y a assez de tutos sur le net pour vous montrer. Ensuite. Il y en a beaucoup qui vous disent sur le net, voilà, c'est ici. C'est là. C'est du pipeau. Ça, c'est niet. Non. Là, je vais vous montrer un truc. Hein. Ici, là. Fail. D'accord? C'est pas là. D'accord? Oubliez. Là. Fail. Je vais vous montrer un gros là. Ici, là. En gros, pour ceux qui ne veulent pas le croire. Voilà. C'est fail. Ce truc-là, c'est du pipeau. C'est le volume. D'accord? Ça, c'est le volume. Le vrai, il est là. Ici. Il est ici, là. Dans ce petit coin. Perdu dans le coin. Ce qui fait que celui-là fait contact.
résumer un petit peu avec ça. Cette petite grille qui est là-dedans. D'accord? Et cette petite grille-là, en fait, d'accord? C'est la carcasse de ça. Ça. Première vue, ça fonctionne très bien. Test effectué à l'extérieur. J'ai pas de souci. C'est juste juste à faire un petit réglage au niveau de la structure et de bien le mettre en place.